Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media là depuis Bombard de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas l'invité écouter Maître Josué Mérilien, Maître André Michel avec président République là, Jovenel Moïse dans déclaration pour occasion 18 mai 2020. Mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media là voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media là pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police et qui Bombard Media là la, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nos informations, nous partageons intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media là et puis ouvrir chaîne notification hein. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media là. Et bien nous pas perdre temps, n'a dérouler avec information yo. On ouais. Secteur démocratique populaire a été organisé yon gros manifestation pour 18 mai fête drapeau pays. Manifestation ou bien mobilisation ça te vient empêcher pas plusieurs unités dans la police là côté te prend la rue pour être capable empêcher peuple là organiser un groupe pour capable éviter maladie à propager dans pays là. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre temps n'a commencé coulier à quel notre corps et yo a parlé de manger notre notre militaire encore ça sans une population nous pas gagner le choix. Chaque fois nous gagnons, c'est mobiliser. Hier, c'était 17 mai. 17 mai, c'est l'éducation des enseignants. Enseignants de tout pays, pas de cas fêtés. Enseignants de tout pays, à mobiliser. Et tout enseignant en général, quel est ta doué qui peut payer? Enseignant privé, c'est le public. Quel est ta boule? Nous disons, mon doigt passé, mon doigt, mobilisation, marche longue. Tout professeur, élève, étudiant, parent, vous seul, mon doigt, c'est mobilisé pour nous libérer le pays en bas, grande pièce de caillot pour construire le pays de la ville. La vie enseignante, pas de. C'est une bataille pour nous sortir de la misère. Nous avons un grand goût à tous ce que nous avons. Côté, nous avons égalé 100 dollars américains, nous avons 2130 dollars ici. Mais je dis à monsieur, nous ne pouvons pas faire back parce que je dis comme ça, nous avons de la finance, nous avons qui est-ce qui fait gagoter. Même Jovenel, si vous avez l'autre pour arrêter, vous avez Jovenel. Je dis à nous parce que comme nous ne pouvons pas faire back. L'argent Petro-Caribé, nous ne pouvons pas faire back. Côté de notre tourner. Comme c'est RH, 11 combien de milliards de dollars, nous écrasons, nous ne pouvons pas faire back. Ah ben, je dis à nous, comme c'est Zamio maintenant la jeunesse, nous même nous ne pouvons pas faire back, nous ne pouvons pas prendre armes, nous ne pouvons pas faire bandit, nous ne pouvons pas tourner gang, nous ne pouvons pas faire travail de côté pour nous. Parce que je dis à nous, c'est peuple, même j'ai tout peuple, nous sommes nation, même j'ai toute nation. Comme nous ne pouvons pas venir nous sortir, nous allons passer dans notre forme. Nous allons passer dans notre forme. À l'assaut, à la mort. Moment arrivé, population commence à réveiller. Que nous commençons à réveiller dans Port-au-Prince. Et je dis, nous faisons apprendre moins, nous avons une dizaine de camarades, de militants, notamment Patrice Célestin, qui retrouvent dans le commissariat d'Elma 33. Pour qui ça? Parce que matin, nous avons participé à une manifestation qui était faite, côté tout le monde était en masse, tout le monde était en cache-nez dans la figure. Je dis, la police, pas quitter eux, exercer droit démocratique yo, et yo arrêter yo, empiler yo dans le commissariat d'Elma 33. Nous féliciter tous les compatriotes qui participaient d'une manière ou d'une autre dans l'activité qui fait Jodia dans le pays, au Cap Haïtien. C'était une journée de réveil un peu partout à travers le pays. Et désormais, le combat est relancé. Et nous exigeons sans condition la libération de tous les camarades arrêtés aujourd'hui, ce 18 mai 2020, dans l'occasion journée de réveil national. Là. Nous voyons en sympathie par tout le monde qui aujourd'hui a retrouvé dans la situation côté a subi répression politique. Hier, sénateur Nenel Kassi, nous avons qui s'est passé la caille famille dans Mariani. Luc Mandelil, ministre justice de facto, débarqué dans la tête au groupe monsieur, gagnant qui habille en police, gagnant qui bat en uniforme. Yo bat moun nan Mariani, yo frappe voisin sénateur Kassi, gen moun ki gen moto, yo krasé moto, gen jeune, yo blessé, et monsieur passé plus passé 20 minutes devant Kaye sénateur a fait intimidation, a fait pression. Et finalement, le pralé, il dit sénateur a posé, si vous pas posé, nous-mêmes m'a fort posé. Nous dénonçons
avec la plus grande fermeté cette manœuvre d'intimidation. Et c'est plus qu'une manœuvre d'intimidation, parce que j'en comprends, si sénateur Kassi de la Kaili, les messieurs d'Ami Rivé, probablement Luc Mandelil avec monsieur policier ou bien monsieur qui t'habille en uniforme ou bien pas t'habille, ils t'ont assassiné sénateur Kassi. Tout ça, c'est manœuvre d'intimidation. Tout ça, c'est répression. C'est dans la même rubrique là, je vous dis, vous directeur ULCC qui choisit persécuter RNDDH. Pour qui ça? Parce que RNDDH fait rapport sur massacre La Saline, parce que RNDDH fait rapport sur massacre Belin, parce que RNDDH fait rapport pour le dire, mais combien de monde qui est en prison injustement, parce que RNDDH fait rapport pour le dire, mais quantité de monde qui assassiné dans la période de mobilisation, parce que RNDDH fait promotion dossier Petro-Caribéa à l'étranger. Alors, je dis, c'est le moment pour le secteur démocratique là, renouveler engagement. Engagement nous te prend bon côté peuple là. Engagement pour nos batailles, pour nous forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Engagement pour nos batailles, pour nous faire conférence nationale haïtienne souveraine, non? Pour nous capables de chiter ensemble, comme frères, comme sœurs, dans le dialogue, dans la concertation, pour nous craser le système PC sous C qui s'est maïmisé dans quatre compagnies depuis plus de deux ans. Engagement ça y est, n'a qu'un béo. Engagement pour nos batailles, pour nous faire une transition responsable avec tout petit pays. Engagement pour nos batailles, pour procès Petro-Caribe, fait là. Engagement ça, secteur démocratique là qu'un béo. Je vous dis, nous attendez. Secteur démocratique, vous attendez. Parole Jovenel Moïse, c'est parole vent, c'est parole mensonge, parole démagogie. Jovenel Moïse pas capable, je dis, à critiquer le système, à critiquer le groupe monde qui prend le pays en otage. Non, c'est un discours de mensonge. C'est un discours démagogique. Et nous rejetons ce discours parce que nous tous avons constaté l'élection 2016. Jovenel Moïse te gagne bateau du riz. Il te gagne bateau sucre, bateau farine, il te gagne tol, il te gagne fer, il te gagne manger, il t'a distribué dans tout le pays, à côté de joigno. C'est même mon saïo qui t'a le pays en otage depuis plus de 200 ans. C'est eux-mêmes qui te bat le moyen pour devenir président. Et depuis le vin président, il n'y a pas jamais fait rien pour le peuple là, il n'y a pas jamais fait rien pour les jeunes, il n'y a pas jamais fait rien pour les paysans, il n'y a pas jamais fait rien pour la diaspora. Tout ça le fait, c'est dans l'intérêt de le faire. Jovenel Moïse, c'est le gardien de ce système d'exclusion qui est instauré dans ce pays depuis plus de 200 ans. C'est rester avec le système non lié. C'est mon cap garder le système non. Et je dis, il n'y a pas d'autorité morale. Il n'y a pas de pouvoir moral. Il n'y a pas de capacité pour le faire nous comprendre. Il n'y a pas d'aider nous à craser le système. Non. Bataille pour craser le système non, c'est le peuple haïtien qui a mené. Bataille pour craser le système non, c'est le secteur démocratique qui a mené. Bataille pour craser le système non, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est la diaspora qui a mené. Et bataille pour craser le système non, la privée gagne bataille ça, les nous forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir. C'est vrai, constitution en clair. Pas de discussion là-dedans. Le 7 février 2021, sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, c'est l'article 134-2 qui le précise sans aucune possibilité de confusion. Cependant, nous-mêmes, nous partons le 7 février 2021 arrivé pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Et c'est ça que fait Jodia, son journée de réveil national. Et journée de réveil national là, de permettre la mobilisation à reprendre dans tout le pays là, pour nous faire Jovenel Moïse quitter le pouvoir le plus vite possible. C'est ça le combat du secteur démocratique et populaire. C'est le combat de l'opposition. Et nous avons été dans la bataille ça jusqu'au triomphe des revendications du peuple. Suivez, c'est une date qui est importante. En pile de l'histoire pays. C'était un jour comme ça, et après pays nous avons pris naissance dans la ville de la Caye, dans l'année 1803. C'était un gros pas d'après le conduit nous tout droit en l'indépendance pays pour l'année après, qui s'est pour janvier 1804. Il y a pour blé et rouge. Et après ça, il symbolise gros lit noir avec nous la tape mené contre un système esclavagiste, un système pesé sous ses. Pas de plus passer passé 300 années avant deux catégories de monde ça y est, pour comprendre la nécessité pour mettre tête ensemble pour combattre
Dans l'ennemi commun, c'était colon blanc. Si tu me baiser sous ces ça, de monter une façon de diviser yon à clop. Pour faire mille lacs comprendre que le pas camarade n'est pas. Parfois, c'est et qu'on utilise nègre comme bourreau. Et on a un petit avantage pour la coup de fouette dans le nègre pareil. Système monté monté comme ça, pour le TK reproduit tête. Pour le TK était plus longtemps. Pour le TK continuer pour piser massio. Esclavio, au moment ça. Et donc, il était difficile en pile. L'esclavio était identifié vers l'ennemi. Parce que, peut-être qu'on recevait un coup de fouette, non mais ni colon blanc. Peut-être qu'on recevait un coup de fouette, non mais ni milat. Peut-être qu'on recevait un coup de fouette. Mais moi pareil. C'est pour ça que je dis, il est difficile en pile. Pour ma peuple là, c'est paysan, jeune, homme, avec garçon, qui vivent dans une zone vulnérable. Je veux identifier l'ennemi. Moun, petit groupe moun qui kembe yo nan misère. La mal cité à qui nous lance depuis 10 ans. Et même ça, un petit groupe, c'est pas ici pareil. Ils montent un système divisé pour eux, un système crasé, brisé, un système pesé sous eux. Un système qui est alimenté avec l'argent pauvre, l'argent peuple. L'argent qui était supposé bâtir l'école, bâtir l'hôpital, port, aéroport. L'argent qui était supposé construire route, construire bon genre barrage d'irrigation, bon genre système électrique qui marchait avec soleil, vent, l'eau, biomasse et gaz naturel de la trier. Faire système ça et capturer l'état à Kaba, faut que nous jeunes à garder notre manger pour nous choisir plus de manière pour libérer le pays à en bas système pesé sous ce ça à craser briser ça. C'est pour ça dans cette nouvelle temps coup de saline Christophe Pétion, après la mort et la trier, obligé de renoncer à petit avantage, je te gagne, pour te mettre tête ensemble, pour ben nous de la poussa. Et donc, la poussa, pas seulement symbolique, moi, mais là, contre le système. C'est symbole liberté et fierté, toute une nation. Il représente effort, sacrifice, sans ancêtre qui t'est coulé pour nous liberté. Rapport ça, c'est symbole l'union entre tout haïtien. Il y a trop de divisions, trop d'incompréhension, trop de gourmet entre nous, nous-mêmes qui sommes base là. Rapport ça, c'est symbole souveraineté nous et autonomie nous. Je ne vais pas nous voir grand monde pour nous diriger tête. Et chaque fois qu'un haïtien va dire pour ça flotter dans le pays de l'autre bord de l'eau, ça nous tressaille. Ça fait nous sentir que nous sommes un pays qui coûte tout notre pays. Peuple haïtien, ça m'a fait mieux. 217 l'année après, faut dire réfléchir. On garde qui côté nous y est jeudi.
Pour qui ça? C'est la nuit toujours. Qui ça nous fait payer? Qui ça nous te doit faire, nous pas faire? Qui fait nous arriver là, je dis. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.